Eh bien, salut les gens, on se retrouve pour le quatrième épisode, je crois, de Pokémon Épée. La dernière fois, on avait fait la route 3 tranquillement. On s'était arrêté devant l'entrée de cette mine et on était parti pour aller à Granbury. Du coup, pas mal de choses s'est passé depuis le dernier épisode. C'est que j'ai changé de compte Nintendo. Du coup, on peut pas transférer les saves. Du coup, je suis réarrivé jusqu'ici et je n'ai plus la même team. C'est resté quasiment la même, sauf que la Pyro a évolué et Granipio a dévolué. C'est redevenu un Granipio et la Pyro a évolué. Enfin, mon Flambino a évolué en la Pyro. Et pourquoi j'ai changé de compte Nintendo, hein, telle est la question. On va avancer en même temps parce que j'avance pas très vite, parce que j'aime bien tout explorer. Du coup, pourquoi j'ai changé de compte Nintendo? Parce que sur Pokémon Bouclier, j'ai commencé la chasse aux Shiny. Vu que je possède, vu que j'avais tout le Pokédex, du coup il me fallait mon compte avec l'abonnement en ligne. Et c'était celui sur lequel je faisais le Let's Play. Donc, enfin, pour récupérer les Pokémon exclusifs, quoi. Surtout Zacian, que personne veut trade, quoi, logique. Du coup, j'ai récupéré Zacian, et du coup, j'ai commencé la chasse, et voilà pourquoi je suis sur un autre compte Nintendo, et que du coup, je n'ai plus, c'est plus exactement pareil, mais bon, dans la ligne, globalement, ça reste pareil. Du coup, voilà, j'ai oublié le guest star de cette série, c'est-à-dire ma bouteille d'eau qui est presque vide, vu que je vais encore parler pendant 10 ans. Du coup, on va aller à la première arène. Ça doit être un peu fort le son pour vous. Je suis seigneur, je le baisse. Voilà. Du coup, voilà, on va avancer tranquillement. Waouh, on lui fait 0 dégâts, notre Julite. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi? What the fuck? Mais d'où il me fait aussi mal? Et d'où je lui fais rien? Ouais, du coup, voilà, j'ai commencé la chasse. C'est pour ça que c'est plus pareil. Du coup, si vous voulez savoir, en chasse, j'ai déjà quelques shiny. J'ai réussi à récupérer Flambino, Skelenox et Pitrouille en shiny, ce qui est plutôt cool. Et voilà, du coup, ça me fait très plaisir. Ce Pokémon est vraiment cool, j'aime beaucoup le jeu. Là, je suis en train de faire Tarsal, c'est un peu long, mais bon, il est toujours pas tombé. On croise les doigts. Et bien évidemment, hein, j'ai fait tout épée, mais je me suis rien spoil, c'est-à-dire j'ai fait le jeu à la vitesse de la lumière et en skippant toutes les cinématiques et sans rien lire ni regarder. Du coup, littéralement, je ne connais rien du jeu. Donc voilà. Je connais pas plus que ce qu'il y a dans Shield en fait. Enfin, et encore Shield, je l'ai fait relativement rapidement. Donc voilà. Donc voilà, tout va bien. Et on va enfin terminer ce combat qui était un peu trop long, je trouve. Mais bon, j'ai la flemme de switch de Pokémon. Ce serait bien qu'on réévolue notre Granipio. Ce serait stylé. Du coup, voilà. Ça me fait plaisir de filmer. Parce que c'est un peu chill. C'est un peu chillax. Hein. On s'allonge un peu dans notre siège. Et on papote un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, par contre. Hein. Ça doit faire 2-3 semaines. Et là, du coup, quand je filme, c'est bientôt Noël. Du coup, il y a des gens qui vont peut-être recevoir Pokémon épée ou bouclier. Parce que c'est un bon cadeau, hein, pour des gens qui ne l'ont pas. Donc ça peut faire plaisir. Dites-moi ce que vous allez avoir à Noël. Je sais pas quand sortira la vidéo, du coup. Ce sera sans doute après Noël, je pense, parce qu'on est le... D'ailleurs, à l'heure où je filme, nous sommes le 10 décembre. Il est 2h du matin. Et du coup, demain, c'est mon anniversaire, les gars. Et ouais, je deviens vieux. Oh là là. Bon, on tombe que sur des Pokémon. On n'a pas une attaque de type plante là. Ouais, vas-y, on va être gagné en premier, mais c'est pas ouf. Ouais, du coup, c'est bientôt mon. Ah ouais, d'accord, carrément. Non, c'est bientôt mon anniversaire. Du coup, je suis très heureux. Et du coup, voilà. Moi, je sais même pas ce que je vais avoir à Noël. On verra bien. On verra bien. J'ai aucune idée de ce que je veux. Et voilà, j'espère que vous allez avoir des beaux cadeaux. Hein. Vous avez eu des beaux cadeaux parce que j'ai... Je sais pas quand elle sortira. Je pense qu'elle sortira avant Noël quand même. Mais voilà. Oh non, pas lui, pas Charpentier. Oh, il fait mal. Quoi? Elle est où l'arnaque? 2 PV. C'est pas fou ça, 2 PV.
C'est pas incroyable. Ouais, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Du coup, si j'ai pas l'habitude de bien parler, excusez-moi. Ah, mais on va s'y remettre tranquillement. Parce que j'ai pas eu vraiment le temps de filmer. Mais là, je vais refilmer un peu. Parce que j'avais pris beaucoup d'avance. Du coup, j'avais pas pris le temps de filmer. Du coup, voilà. Moi, je trouve ce jeu cool. Malgré les gens, ce qu'ils peuvent en dire sur ce jeu. Mais je trouve que c'est un Pokémon très cool. Très cool, très cool. J'ai hâte de voir les événements qu'ils m'ont rajouté. Parce que son gros problème, je trouve, c'est le manque de légendaires. Il n'y en a que 3. Dont Zacian et Zamazenta que vous connaissez. Du coup, c'est un peu dommage. J'aurais espéré un petit plus de légendaires, quoi. Enfin, plus d'anciens légendaires. Parce qu'il n'y en a aucun ancien. Alors que pourtant, il y avait grave moyen de mettre des légendaires cool. Mais voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, c'est cool, c'est qu'on avance tellement pas vite, vu qu'elle a des Pokémon intuables. C'est cool. Oh, le critique, putain, le combat, il commence à devenir trop long, du coup, il a fait aller hop. En plus, j'esquive. Incroyable, quel joueur. Quel joueur, quel joueur. Du coup, dites-moi si vous aussi, vous avez Pokémon épée ou bouclier, ça m'intéresse. Vu que là, ça fait un moment qu'il est sorti, non? Ça fait 2 mois? 1 mois? Je sais pas quand il est sorti. Ça doit faire 1 mois, je pense. Ouais, mais j'ai rien. C'est mort, j'ai rien de mieux. Je vais faire la flamèche et puis voilà. Écoute. Mais voilà, ah, un très bon Pokémon. Si je devrais faire mon top de Pokémon, je sais pas qui je mettrais. Je pense en premier, je mettrais soit Noir et Blanc ou Diamant et Perle. Parce que c'était vraiment des Pokémon que j'ai trouvé vraiment excellents. Du coup, l'un ou l'autre. Donc l'autre serait forcément deuxième. Et je sais pas, il serait peut-être troisième. Parce qu'après, y a rien qui m'a vraiment marqué. Émeraude était pas mal. Ruby Omega aussi était vraiment cool. Oh, XY était cool. Pokémon-là est cool aussi. Il est cool parce qu'il a l'avantage de la beauté. Il a le désavantage des héros qui n'ont pas de nom et qui sont customisables à l'infini, ce que je suis pas réellement fan, même si bon, maintenant ce sera toujours ça, donc on va s'y faire. Je sais pas. Je sais pas. Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Mais j'ai plus de vie, moi, avec ces conneries là. Vas-y, on va tenter, on va mettre Minisang en premier. Parce que c'est notre plus haut level. Mon Pokémon et moi, on travaille ensemble. Waouh. Et elle envoie un Topiqueur. Je sais pas si Pic-Pic ça fait mal. Ce serait bien que j'ai une attaque qui fasse mal. Non, pas étonnement. Oh, c'est vrai, m'a pas stun. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, Pic-Pic. Petit rugissement du Topiqueur. Ouais, du coup, voilà, j'ai commencé la chasse. Plutôt content pour l'instant. Malgré, les gars, le Pitrouille, c'était le Pitrouille le plus dur à avoir de ma vie. Parce qu'il m'a pris. Il m'a pris 2 box. 2 box de 22 places. Enfin, 2 fois 22 boîtes, c'était horrible. Et puis après, j'ai eu la Pyro en 10 œufs. Comme quoi, c'est vraiment n'importe quoi, le Shiny Hunting. Mais c'est cool, j'aime beaucoup ça. Et je vais continuer à en faire de toute façon. Et il faut que j'aille récupérer mon Ronflex de Gigamax. Parce que j'ai toujours pas réussi à trouver un raid. Vas-y, c'est quoi ça? C'est quoi ces dégâts? Pas Valdi, c'est de la merde. Flamèche. Flamèche, flamèche. Putain, il fait mal le bâtard. J'aimerais pas perdre mon Pokémon maintenant. Oh, la griffe. Je meurs pas. Parfait. Ok, normalement, je peux quand en prendre une. Oh, parfait, en plus on le finit au prochain tour. Normalement on meurt pas. Parfait.
Parfait, on avance dans cette grotte. Ce serait bien de sortir de la grotte pour stopper. On est à 9 minutes. Je sais plus combien de temps je faisais l'EP. 20 à 30 minutes, c'est ça? Du coup, on est à la moitié de l'EP. Enfin, on peut faire jusqu'à 30 minutes, donc. On va essayer de sortir de la grotte, les gars. Par contre, ouais, j'ai plus de vie, donc qu'est-ce que je fais? Vas-y, on va y aller en mode True Warrior. Voilà. Voilà. En mode guerrier, on y va. Ouais, du coup, vous avez pas vu l'évolution de l'apéro parce que quand j'ai recommencé le compte, je sais pas pourquoi. J'ai pas tué plus de dresseurs, mais j'ai pris plus d'XP. Enfin, l'apéro en tout cas a pris plus d'XP. C'est bizarre. Ah ouais, mais c'est mort, pas sur ça. Pas sur Charmy, c'est un effort. Vas-y, on va faire pistolet à eau. Ce sera très bien comme ça. En vrai, j'aimerais beaucoup faire de live Shiny Hunting. Ce serait un truc qui me plairait. Mais malheureusement, on n'a pas la connexion. Sinon, ce serait cool. Mais bon, il y a beaucoup de monde qui en font. Donc, c'est pas spécialement intéressant. Moi, je le fais de mon coin. Parce que j'aime ça. Shiny Hunting, je m'y suis mis à X et Y, je crois. Et j'aime bien. Parce qu'en fait, les anciens Pokémon, je savais même pas ce que c'était le genre de chroma et tout. Et ça m'a jamais passionné. Donc voilà. Je me suis dit, autant s'en battre les couilles. Ah non, ouais, bah non, let's go, c'est après XY. Donc ouais, XY. Je me suis mis à XY. Mais bon, à ce qui paraît, il est bugué. Mais bug pour moi, j'ai pas vu de bug dans le Shiny Ending. Hein. Donc bon. Tout va bien. Allez hop, il apprend Picor, la pyro level 18. On a battu Bill! Parfait. Le porteur de grosses bottes. Oh. Dose d'huile. Ok, c'est pas ouf. Oh, des potions. Oh! Ah, c'est vrai, je vais lire. Toi là, avec l'étoile bleue. Tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil, fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Alors, on va bien évidemment te péter la gueule. Mais avant tout, on va se heal un petit peu parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il a. Alors, que me veux-tu? Tu es l'une des challengers recommandées par le maître, c'est bien ça? Quelle vaste blague. Le maître, c'est de la bagatelle. La personne la plus importante dans la Ligue Pokémon, c'est son président, c'est bien connu. Et moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc, je vaux mieux que toi, piger. L'ego, quoi. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant meilleur que toi, espèce de minable. Ah ouais, genre Led Zeppelin, le mec. Travis, le dresseur, veut se battre. Ok. Bah, très bien, Travis. Nucléose, qui est un Pokémon qu'on s'en bat les couilles. Il est 2h du matin, pardonnez-moi. Parce que je ressors du taf, c'est pour ça. Et je me suis dit, je suis mon prince, j'offre un moment de gloire à ton Pokémon. Ah ouais, d'accord, carrément. Mais lui, il est un. What the f. C'est pas légal, monsieur, c'est pas homologué. Non, ça va, choc mental, c'est de la merde, non? Off! Vive attaque. Comme ça, on garantit la win. Ah ouais, et du coup, j'ai plus la tenue de mon dresseur. Faut que on ira en racheter une. Parce que j'ai pas pris le temps de la racheter, je vous avoue. Mais je vous rassure, hein, j'ai fini Shield il y a un moment déjà. Hein. Je l'ai fini juste après avoir filmé, je crois. Juste après avoir filmé le premier épisode, j'ai fait vas-y, je le finis. En m'en battant les couilles des cinématiques, comme ça je peux avoir mon charme chroma parce que je suis un farmer. Ouais, on va se heal hein. Calmement les gars parce qu'il m'a défoncé. C'était quoi son attaque là? Il m'a mis trop cher. Oh non, j'aime pas ça. Ok, ça va. Ouais, j'aime pas quand il y a des grosses animations sur les attaques.
Ah ouais! Ah ouais, c'est de la merde quand même. Ok, ça y a un critique. Oh là là, la brûlure en plus qui est pris. Ok, ça va, on a vu que ça faisait pas grand chose. Ça va. C'est ok. Peut-être qu'après on sort et qu'on arrive à Greenbully, enfin. Ce serait stylé. Non! Mais t'es sérieux? Il meurt de la brûlure au prochain tour, mais. Voilà, Scrutera, ça dégage. Hop là, c'est récupéré. Ok. Grenipio qui prend toujours pas son level 15. Bibichou, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça ne me ressemble pas de. J'ai pas le temps de lire. Les cinématiques partent trop vite. Pour moi, mon cerveau n'arrive plus à calculer. Bibichou, alors viens prendre tes dégâts. Ça va. Ah non, mais pas choc mental. J'aime pas les attaques psy parce qu'à l'époque. Bon, on va mourir. C'est pas grave. Je t'envoie au casse-pipe, la pyro. Le crit! Dommage! Ça aurait été bien stylé. Bien, bah écoute. Hop là. On va faire le petit Volbi. Comme ça on se heal en même temps. Ah, ça met combien chaque mental? Ah ouais. Bon, c'est cool hein. APV on se heal. Ok, c'était cool. Bien allez Travis, ça dégage. Panipio qui prend toujours pas son level 15. Je vois, peu importe, c'est pas comme si j'y avais réellement mis du mien. On remporte 1920 pièces. C'est cool. Oh! Mais genre, il a déjà pris un niveau dans ce combat-là. Ça y est, on a re notre pifeuille. Faudra que je trouve une pierre plante pour le faire évoluer. Parce que je savais même pas qu'il avait une troisième évo. Les données de pifeuille ont été ajoutées au Pokédex. Parfait. Ah oui, mais ça, mais on prend. On prend et on vire une attaque de merde, genre armure, tu vois. À tout hasard. Voilà, ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à nous dire, Travis? Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça, j'avoue, tu te défends. Mais tu es tombé dans mon piège, tout ça, c'était juste pour savoir comment tu combattais. Maintenant que j'ai tout sur ton style, je te battrai à plate couture en compétition officielle. Sur ce, tu m'excuseras, mais j'ai vraiment mieux à faire que de discuter avec une e-god comme toi. Oh, et ne perds pas ton temps à chercher des étoiles bleues ici, je les ai déjà toutes récupérées. Ok, Travis. Je check s'il n'y a pas une étoile bleue. Sac de poussière d'étoile. Ok, ça fait des souks. De la monnaie. Oh! Et du coup, il nous manque la route 4 à passer. Voilà, qui est juste là. Petite pierre. Ok, parfait. La gentille madame qui nous soigne. La mine de Galar, Challenger, ok. Est-ce qu'on tente l'arène? Est-ce qu'on ferait pas les fous? Attendez, par contre, il y a un Pokémon que je veux juste récupérer en fait. Je rigole, vous imaginez l'insulte? C'est genre il était shiny. Alors que j'ai pris, je sais pas, franchement, j'ai facile pris 3 jours de farm à l'avoir. Mais genre, quand je vous dis 3 jours de farm, c'est 3 jours. Non, même pas, c'est 2 jours de farm et c'est 2 jours de 9h à 3h du matin. Sérieux? Non, mais. Ah non, elle va me confure. Je veux Pitrouille. Je veux Pitrouille dans l'équipe. On pourra jamais le faire évoluer, mais bon, c'est cool. Ok, on va le porter, c'est de la merde. Oh, te blesse pas, s'il te plaît. Te blesse pas. Parfait. Le tue pas. Eh, c'est comme si le jeu voulait que je le capture. Y a pas de magasin de fringues ici, il va falloir encore attendre un peu. Et voilà, il rentre dans l'équipe. Qui on va virer maintenant? La question est se pose.
Ah bah non, on a encore une place. 3, 4, 5, 6. Bah parfait. Parfait, parfait. On va foutre Pitrouille. Et ce sera très bien. On va pas lui donner de surnom. Bah on va... 20 minutes. Non, 20 minutes. On va pas faire l'arène. On va faire cette route-là. On va se heal. Tuer tous les dresseurs de cette route. J'avais oublié. Mon mouton, on revient ici, petit chenapan. Mouton vous percute, ça l'a arrêté net. Bah bravo, il me casse la gueule. Oula, rien de cassé, choupette. Une telle charge dans les guibolles, t'as dû le sentir passer. Désolé, hein, ce mouton, c'est un vrai rebelle. Pardon. Oh, mais tu es une challenger. Tout à fait. Je savais bien que ta tête me disait quelque chose, je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Moi, c'est Percy, et je suis un champion. Et mon dada, c'est le Pokémon plante. Justement, j'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Passe donc me voir au stade pour relever mon défi. Tu ne peux pas le rater, c'est tout droit. Bah ouais, on voit la grosse arène là. Allez, viens mon gros, rentrons au stade. Arrête de te carapater dès que j'ai le dos tourné, ok? Il y a des challengers qui nous attendent. Très bien. Percy qui a le numéro, on n'a pas vu. C'était un gros numéro, mais je n'ai pas vu lequel. Ah non, il y en a Bill. Non, Bill, il va me parler. Admire un peu Icarus, c'est le stade de Greenbury. Ça en jette, non? Je l'ai vu, on voit que ça! Ta gueule, Nabil. D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion. Il courait vers l'arène. Faut dire qu'il y a du monde qui pourra être là-bas, on n'est pas prêt de se battre contre lui. Pendant que j'y pense, Sonia te cherchait. Elle a une question pourquoi, elle me l'a posée aussi, mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Où est la colline? Je suis un peu nul en explication. Regarde peut-être sur les cartes. Toutou. C'est le vol toutou de Sonia. Suis-le, guider les gens et les Pokémon perdus, c'est sa passion. On va pas le suivre, on va juste se heal et aller péter du dresseur. Et voilà, on va juste péter tous les dresseurs qu'il y a là-bas. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Parce que si je suis un peu fatigué, je vous avoue, hein, je regardais l'heure qu'il était, je me disais, ouais, je suis un peu fatigué. C'est vrai qu'on a fait une carte. Je vous mettrai peut-être mon code de carte, si ça vous intéresse. Moi, j'aime bien avoir les cartes des gens. Donc, je le mettrai peut-être dans la description. Mais bon, comme je vais l'actualiser, eh ben, il marchera plus. Ok, d'accord, il y a du dresseur. Il y a du dresseur, les gars. Il y a du dresseur. Déjà, il y a elle. Je suis évolué, je fais un quatre truc. L'IA, il y a Poké Enfant, veux-je battre? Au revoir, Evoli. Wow, c'est pas du tout surprenant. Faudra que je le farme, le Evoli Shiny. Tellement de Pokémon que j'ai envie d'avoir en Shiny. Bam! Mimiqueux. Et ça baisse ma défense. Je m'en doutais. Je commence à comprendre ce qui baisse quoi. Waouh, il est trop mignon. Ah, bah il baisse mon attaque, super. Quelle vie de merde. Baisse ma défense, mais pas mon attaque, parce que le combat est plus long, sinon c'est chiant. Allez, le petit moins 10 gratuitement comme ça. Voilà, ça dégage. Hop, on a détruit la Poké Enfant plutôt. Je change un peu les dialogues. Le Miaouz de Galar. C'est bien, c'est que même le Pokédex, je l'ai fait en me battant les couilles, donc j'ai même pas vu les nouveaux Pokémon en fait. C'est un Pikachu ça? Ah ouais. Là, on a déjà le nôtre. Là, on a déjà le meilleur Pikachu du pays. Même s'il va pas rester dans la team, je pense. Faut que je cherche un Elex Sprint, ça peut être stylé. J'en ai vu un là tout à l'heure, ça peut être stylé. Il y a quoi d'autre après comme Pokémon électrique stylé? Déjà, je sais que je vais un Golemastog dans mon équipe. Noctunoir, Terraclope, c'est mort. Parce qu'il y en a pas, enfin, faut échanger donc c'est mort. Ectoplasma, c'est mort aussi.
toute façon, on a déjà notre pitrouille, qui restera un pitrouille, du coup c'est mort aussi techniquement. Mais bon, je préfère pitrouille que banishrouille, donc ça va. Qui je pourrais mettre après dans ma team? Ce serait bien de mettre des Pokémon exclusifs, mais Voltoutou, je suis pas fan, il est pas ouf, je trouve. Je le trouve pas ouf. Déjà, maintenant, on a Mini-Sang, ah, c'est déjà pas mal. Larvibule, mais c'est quoi tes Pokémon dégueu? Pff, moche. C'est un insecte, ça. Ça brûle. Ça brûle bien ou pas? Ça brûle très bien. De toute façon, c'est la reine de type plante, ça va être une grosse formalité. Par contre, ouais, on va s'arrêter là et on ira la faire au prochain EP, la reine. Comme ça, parce que je vois la Pierrot s'approcher dangereusement du niveau 20. Et j'aimerais bien qu'il m'obéit quand même jusqu'à la reine. Mais sniff. Trop bien. Waouh, Miaouss. Il est dégueu. Hein. C'est hardcore comment il est moche. Ta-da-ta-da-ta-da-ta. Très bien. Alors. Mais putain, mais. Bah vas-y, il me casse les couilles, les Miaouss. Il casse les couilles, Miaouss. Voilà, hop. Hop, moi je veux juste vous laisser, hein, parce que voilà, ça fait déjà 26 minutes. Du coup, prochaine EP, on récupère le premier badge qui est juste derrière nous. Faut qu'on aille parler à Sonia parce qu'elle a une question à nous poser. Du coup, on va se laisser là en espérant que ça vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose, mais on aura vu Travis et on aura capturé Pitrouille, donc ça fait plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pokémon Épée qui sortira je ne sais pas quand. Ce sera l'épisode 5. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, la cloche, la section partage, enfin la section communauté où Adrien poste des infos de temps en temps. Du coup, voilà, je vous laisse moi. Ça m'a fait plaisir. Bye tout le monde. Fight back.